Une fille de général ou de ministre aurait dit, « Papa vous dirige et vous gère comme du bétail, moi je bois votre sang en whisky et brûle votre argent dans tous les cabarets et palaces du monde. » Saïd n'en pense pas moins, lui qui a crié publiquement dans une grande brasserie parisienne, « L'État algérien, c'est moi, c'est vrai, il boit pour oublier les sévices sexuels qu'il a subis étant jeune de la part des pères blancs et jésuites sûrement inspirés par la boutade bien connue de son frère aîné, 10 ans auparavant, s'esclaffant en public pour dire le verbo, à la Louis XIV, sans gêne aucune ni retenue l'Algérie, c'est moi. » Pour dire aussi avec mépris, celui qui paye l'orchestre, commande la musique. Avec l'argent du contribuable. Quel culot, quel aplomb. Normal aussi qu'il Bouteflika, s'autoproclamera quelques jours plus tard rédacteur en chef de l'APS, début des premières dérives messianiques et autocratiques à la Caligula. Sauf qu'il n'avait pas de cheval à nommer sénateur, juste un âne batté à nommer SG du Front de Libération Nationale. De Sadani le drapki tunisien, amuseur occasionnel de bordel, il en fera aussi sa chose et son président des comités de soutien et, accessoirement, secrétaire général du Front de Libération Nationale. Devenu entre-temps, par la rapine et les saintes écritures, un gros personnage qui mettra moins de temps que tous les hominidés des airs passés à passer de la position animalière couchée à la position debout de bipède agile. En homo sapiens moderne et intelligent, il a vite appris à voler et placer 300 millions d'euros, acheter des biens immobiliers à Paris et se faire délivrer une carte de séjour de 10 ans en France pour lui et les siens. Avouons tout de même que la fréquentation des Bouteflika est un peu plus rentable que le difficile métier de drapki. Il est pénible pour lui de se voir accusé ouvertement de grand voleur pour avoir détourné 3000 milliards de la GCA de l'agriculture algérienne. Il n'a pas volé jurté-il par tous les saints de Gafsa et d'Aïloued. Qu'ont-ils fait des 800 milliards encaissés en 15 ans de règne sans partage sauf à enrichir leur famille, les amis, le clan, les pègres locales soutenantes, les affidés, le trésor américain, le FMI, les Bush, Cheney, les Rothschilds, Savary et bien d'autres qui ont vidé, dépecé et désossé l'Algérie. Un vrai désastre que résument trois images affligeantes, un jeune se jetant à la mer pour fuir le régime Bouteflika, s'il ne finit pas dans le ventre des sardines, il sera jeté dans les geôles du pouvoir pour tentative de fuite du régime. Deuxième image, un jeune père de famille, s'immolant à mort par le feu, photo de ses enfants collés au front, au motif que l'appartement qu'il attendait depuis 10 ans a été attribué à une prostituée occasionnelle, n'habitant même pas la wilaya mais maîtresse du Mouafed Front de Libération Nationale de la ville. Tout le monde viendra à son enterrement sauf le Vali et le président d'APC, deux gros corrompus amis et employeurs des pègres et mafias locales, ces grands réseaux locaux de Saïd. L'après-midi de ce triste événement, l'APC, la Daïra et la Casma Front de Libération Nationale seront saccagés et brûlés. Le Marocain Saïd Bouteflika a fait du peuple algérien musulman des Satanist Spires que le peuple de l'hôte, l'alcool coule à flot, les bars à Tchitch sont des lieux de débauche où des fillettes de 13 ans se prostituent pour avoir à manger. Le pays compte un pourcentage d'homosexuels de drogués incroyable, la drogue est en vente libre dans les écoles primaires. Des enfants de 3 ans boivent des bières qu'ils trouvent jetées dans la nature. Le pays est sale, les plages et forêts sont pleines de bouteilles de bière. Des satanistes laïcs organisent des orgies sexuelles et beuveries dans les cimetières et sur des tombes profanent les tombes des martyrs en jetant des bouteilles de bière. L'ami de Saïd, le Marocain Chiki, importe de la viande non égorgée empoisonnée avec des produits chimiques cancérigènes. L'Algérie est un pays détruit et marocanisé.